Soirée et ils rentrent, donc ils arrivent devant leur porte. Qui entre en premier, l'homme ou la femme? Non, je sais. La clé, c'est la clé. Voilà, c'est tout. Je voyage dans le monde entier, mais je ne bouge jamais de mon coin. Il y a quelqu'un qui a mal terre ici. Quoi? Allez. Un thème. Un timbre, bravo. Un corps sans bras, un cou sans tête. La bouteille. Thank you.
bon. Woo!
Conserve chez lui que ce qu'il faut pour sa dépense. On est finalement bien trop content de trouver chez soi une cache fidèle, car pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier, et c'est la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus. 10 000 écus. En or. En or. Chez soi. Chez soi. Et une somme assez... Hors d'ici, tout à l'heure. C'est votre fils qui m'a dit d'attendre ici. Qu'on ne réplique pas. Allons, allons détale de chez moi. Maître juré filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandore, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Eh bien, va-t'en l'attendre dans la rue. Et ne sois pas dans ma maison. Quand t'es tout droit comme un piquet. Observez ce qui se passe. Et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est... que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un... Je veux me faire un genre et désigner un médecin afin de me procurer de bons secours contre ma maladie. D'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Si je suis malade! Si je suis malade! Impertinent! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Et bien plus malade que vous ne le pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bonne famille doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Oh, ma foi, monsieur. Voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison? C'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille? Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Mais j'en ai à faire, moi, outre que le parti est beaucoup plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et monsieur Purgon, l'apothicaire, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8 000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour cette fée si riche. 8 000 livres de rente sont quelque chose, sans parler du bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être madame Diafoirus. Eh bien, moi, je vous dis que cela soit.
Eh, fille, ne me dites pas cela. Et pourquoi ne le dirais-je pas? Eh non. Pourquoi ne le dirais-je pas? Parce qu'on dira que vous ne songez pas à ce que vous faites. Eh ben, on dira ce qu'on voudra, mais moi je vous dis que je veux qu'elle épouse celui que j'ai choisi. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Elle le fera, hein? Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Elle le fera. Où je la mettrai? Dans un couvent. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Amen. Oblige la bouche, oblige la bouche, oblige la bouche, oblige la bouche, oblige la bouche.